La francophonie dans ses locaux depuis 1982. Je suis entrée dans cette maison pour la première fois en 1997. Quand je suis arrivée à la francophonie en juin 1989, on se prenait les pieds dans les tapis. J'étais à la francophonie en 82 ici et je suis revenue aujourd'hui et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir cette très très belle maison. Et je reviens aujourd'hui tout émerveillée en découvrant cette transformation. C'est vraiment magnifique, c'est très clair. On a passé plein de moments extraordinaires dans cette maison et aujourd'hui, quand on est entré à l'intérieur avec les collègues, on a dit c'est incroyable. Je ne me retrouve plus, le lieu est impressionnant, tout a changé, on n'a plus les étages cloisonnés, tout est ouvert, on a une vue magnifique de la Seine. C'est assez émouvant, même je reconnais que je suis un petit peu émue. Pour moi, j'ai l'impression que le bâtiment s'est agrandi. En fait, l'impression d'espace, les volumes, tout a changé. Et je suis contente qu'on ait gardé le patio qu'il y avait à l'époque, donc ce qui est devenu aujourd'hui l'atrium. Et ça donne une ouverture en fait. C'est comme si on regarde jusque dans le ciel. Et c'est juste bluffant. Très très joli. La francophonie n'était pas aussi belle malheureusement quand on était là. Mais voilà, je suis contente que ce soit le cordon bleu qui soit là ici maintenant. En même temps, il y a quelque chose d'imperceptible. Je pense que c'est l'âme de cette maison. C'est la langue française, la culture et la diversité dans le monde que le cordon bleu propage aussi aujourd'hui partout dans le monde. Et on est très content que nos locaux sont entre les mains, si on peut le dire, d'une entreprise aussi extraordinaire. Et on est très fiers d'avoir travaillé là où maintenant vous travaillez. Un grand merci, comme je le dis souvent. Essayons de donner un meilleur goût au monde. Merci. Ouvrons-nous, ouvrons nos portes, parlons avec fierté de ce que nous faisons et de plus en plus de gens le savent. Et ça, c'est formidable. Je suis très très fière de vous. Je tiens à vous applaudir. Vive ensemble!